Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cette fin de salon. Là, on touche à la fin de ces deux jours de Mixi. Ravi de vous accueillir donc, pour cette table ronde. On se le disait, le titre n'est peut-être pas complètement autoportant, donc on va essayer de donner du concret derrière tout ça. Et vu les intervenants qui vont être à mes côtés, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur le fait qu'on va être extrêmement pragmatique sur nos propos. Donc je suis Clément Leroy, associé au sein du cabinet de conseil Wavestone. On est ravis, nous, d'accompagner Mixi pour la deuxième année. C'est un salon qu'on apprécie et qui monte en puissance. On l'a vu pour ceux d'entre vous qui ont peut-être pu participer aux deux jours. Donc voilà, très content de pouvoir accompagner ce salon. Donc je vais dans un instant introduire les participants à cette conférence à mes côtés. On aura donc trois quarts d'heure à peu près ensemble. On va essayer de garder cinq minutes à la fin pour des questions éventuellement de votre part. Voilà, puis on a prévu un certain nombre de thèmes pour les quelques minutes à venir. Merci à tous les quatre de nous rejoindre cet après-midi. Tout de suite à ma droite, on accueille donc Isabelle Yétard de Pôle emploi. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes donc responsable au niveau de la région Rhône-Alpes Auvergne pour le service aux entreprises au niveau de Pôle emploi et en particulier avec la charge des experts sectoriels, dont le secteur énergie qui pèse un poids relativement important, on en parlera dans quelques minutes. À noter que la région Rhône-Alpes Auvergne de Pôle emploi a aussi un rôle national au niveau du secteur nucléaire et donc à ce titre coordonne l'ensemble des activités au niveau national de Pôle emploi, ce qui donne aussi du coup des intérêts sur les chiffres et sur un certain nombre de tendances. Nous avons ensuite Julie Gougne. Bonjour Julie, merci également de nous rejoindre. Vous êtes donc DRH et directrice de l'environnement de travail dans une toute nouvelle filiale que le groupe EDF vient de mettre en place, qui s'appelle New Ward. Vous nous direz dans quelques instants ce qu'est New Ward. Et donc vous avez, vous, dans les années à venir, des besoins importants de compétences et vous allez proposer de nombreux emplois. Donc voilà, ce sera tout à fait dans le thème de notre conférence. Ensuite, Thomas Roussel. Bonjour Thomas. Donc Thomas, vous êtes au sein du groupe EDF, à la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes, et vous êtes responsable du domaine nucléaire au niveau du régional, et à noter que vous avez un passé en centrale nucléaire, à Dampierre et Gravelines, donc vous avez voilà, une vue à la fois opérationnelle et aujourd'hui des fonctions plus transverses sur ce sujet de l'emploi, des compétences et de l'empreinte du nucléaire au niveau régional. À noter que vous êtes également secrétaire de l'association Vive Atome, qui est une jeune association qui a été mise en place en début d'année autour de l'impact du nucléaire dans la région. Et donc on en discutera aussi, puisque au-delà de ce que le groupe EDF présente, il y a aussi tout le rayonnement autour de ces sujets. Et puis Jean-François Debost. Bonjour Jean-François. Vous êtes directeur général du pôle de compétitivité nucléaire Valais. Et en complément, donc vous avez plusieurs responsabilités d'administrateur de l'Université des métiers du nucléaire et puis de Vivatome également, dont on parlait avec Thomas il y a un instant. Voilà, merci à tous les quatre de nous rejoindre. Sans tarder, on va rentrer dans le vif de notre sujet. On parle donc emploi, on parle de ressources. On sait qu'effectivement, on est au devant de par la transition énergétique, de par la relance du nucléaire, d'une vague de besoins en termes de compétences, en termes de formation, d'attractivité aussi de ces secteurs. Et donc, peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être pour resituer le débat, de nous donner quelques chiffres clés en termes de besoins, en termes de typologie de compétences qu'on anticipe pour les années à venir. Et puis ensuite, on reverra peut-être au niveau plus régional dans chacune des régions, puisque le sujet, évidemment, le challenge, ça va être de mettre en face les emplois, les compétences, les populations concernées. Et on va voir que ce n'est pas du tout un challenge gagné d'avance au vu des volumes qui sont mobilisés. Isabelle Yétard, peut-être pour nous donner quelques premières orientations sur ces sujets. Merci. Vous m'entendez ? Oui, il est branché. Ok. Oui, tout à fait. Donc, le volume d'emplois qui attend sur ces prochaines années est énorme en termes de volume, mais aussi en termes de compétences. Donc, on a, je dirais, deux secteurs qui sont fortement impactés. Hein. Donc, c'est la filière nucléaire, et on en reparlera, et aussi la filière des énergies renouvelables, que ce soit au travers la filière solaire, la filière hydrogène, par exemple, hein, la filière des nouveaux gaz aussi. Alors, quand on parle, par exemple, de la filière nucléaire, et je pense que vous en parlerez mieux que moi, mais on sait qu'aujourd'hui il y a 220 000 emplois, mais on attend à des recrutements de 10 à 15 000 personnes par an sur une filiale
qui aujourd'hui est peu connue ou mal connue. Voilà, donc un vrai enjeu pour nous, Pôle emploi, et on travaille aux côtés de nos partenaires et des industriels et des donneurs d'ordre et EDF, bien sûr, pour anticiper le développement des compétences. Alors, quel métier vous me dites ? On est bien sûr sur des métiers très techniques et des métiers très industriels qui recouvrent la majeure partie des besoins aujourd'hui. Ceci dit, ça recouvre une diversité de métiers pour toutes les qualifications. Donc, on a du niveau aussi infrabac, hein, bien sûr, et c'est même la plus grande volumétrie de besoins, puisque si je parle de tuyauteur, de soudeur, voilà, tous ces métiers aujourd'hui avec une forte tension. On a ensuite les métiers sur la maintenance, les techniciens de maintenance, et ça, c'est aussi un gros besoin. Et puis, on a les métiers aussi chef de projet, on en parlait tout à l'heure, et vous en reparlerez mieux que moi, tous les métiers aussi de l'ingénierie, bien sûr, qui sont aussi de la recherche et développement, qui sont aussi en fort besoin. Après, on est sur des métiers, ce ne sont pas des métiers qui sont... c'est des métiers avec des compétences transversales, c'est-à-dire que ce sont des métiers pour lesquels, dans d'autres industries, on peut trouver les compétences, et parfois, c'est une simple habilitation, hein, je pense sur l'habilitation nucléaire, qui permet à des candidats de switcher d'industrie. Et malheureusement, on tombe sur une concurrence entre industries, puisqu'il n'y a pas que l'industrie des énergies qui recrute. Voilà, pour un petit préalable, l'enjeu de demain est vraiment sur les métiers techniques et les métiers de l'industrie, en tout cas. Peut-être Jean-François, pour compléter avec quelques chiffres ou quelques éléments justement peut-être plus spécifiques au secteur du nucléaire. Oui, alors la filière a mené une étude qui s'appelle le programme MATCH au travers du GIFEN, qui a été remis donc il y a 15 jours de cela au ministre de la Transition énergétique, donc Agnès Pannier-Runacher, et puis à Roland Ségur, le ministre de l'Industrie, donc qui a identifié donc les chiffres qu'a évoqués Madame, à savoir effectivement 100 000 emplois à créer dans les 10 ans qui viennent, avec un pic de recrutement entre 2027 et 2030, hein, qui correspond au démarrage finalement de nos grands chantiers. On a regardé ce qui allait se passer dans 84 métiers. Et sur ces 84 métiers qui sont les métiers clés dont on va avoir besoin pour mener à bien les missions et les chantiers qui s'ouvrent à nous, hein, donc j'en citerai trois, les programmes des nouveaux nucléaires, donc les EPR 2 qui vont être construits, donc les 6+8, l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 50 ans, et Dieu sait si la région Rhône-Alpes-Auvergne va être concernée, hein, puisque les premières cinquièmes visites décennales vont démarrer en 2029, sachant qu'en général, l'ingénierie pour une visite décennale démarre 7 ans avant. Donc vous faites 2029 moins 7 ans, ça veut dire que ça a déjà démarré. Et puis on a tout le programme du nouveau nucléaire, notamment sur ces nouveaux réacteurs comme le programme New World. Et donc sur ces 84 métiers, on a identifié 20 métiers en tension, sur lesquels évidemment la filière s'est tout particulièrement focussée. Deux régions qui vont être très fortement concernées par tous les trois chantiers que je viens de vous citer. Donc la région normande, évidemment, puisque ça va être la première concernée. Et puis on va retrouver tout de suite derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a un fort enjeu régional sur effectivement tous ces recrutements. Un chiffre, par exemple, sur ces 20 métiers, on a un métier qui va être très en tension, c'est la partie automatisme. On sait d'ores et déjà qu'on va avoir besoin de 800-900 automaticiens dans les 5-6 ans qui viennent. Voilà. Thomas, peut-être compléter également sur ces chiffres, et puis vu d'EDF, peut-être aussi les perspectives dans les années à venir. Oui, alors ça va compléter vraiment les chiffres qui sont bien ceux de la filière. Hein. On parlait de la filière, donc 220 000 personnes, pour compléter un tout petit peu avec les départs en retraite d'ici 2032-2035. On tombe à 150 000 et on attend une projection à 300 000 collaborateurs d'ici 2032. Et pourquoi on demande autant de personnes, c'est par rapport à l'ensemble des programmes que vient de dire Jean-François. Donc pour EDF, on est concerné à plusieurs titres. Celui qui est le moins évident, parce que tout le monde parle des EPR2, mais c'est le maintien du parc actuel. Il y a quand même 56 réacteurs en exploitation aujourd'hui en France. On parlait de durée de vie de 40 ans. Aujourd'hui, les études montrent que la cuve et l'enceinte de confinement, qui sont les deux seuls éléments que nous ne pouvons pas changer, permettent d'aller plus loin dans l'exploitation à 60 ans. Les Américains partent pour 80 ans. Donc, tant que ces éléments-là vieillissent correctement, on va maintenir notre parc actuel.
Donc ça veut dire anticiper les départs en retraite, monter en compétences les personnes pour le recouvrement et exploiter également ces réacteurs-là. Et puis, comme l'a dit Jean-François, les EPR2 qui concernent le parc aussi en actuel, parce que les sites sur lesquels on va construire les EPR2 sont associés à un site en exploitation aujourd'hui. Et donc, avec la décision qui a été d'en construire deux aujourd'hui en Normandie à Dieppe, avec un début de chantier cette année, pour un couplage dans les débuts des années 30, Gravelines dans le Nord pour deux autres EPR2, et la dernière paire qui se trouvera ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, soit sur le site de Tricastin, soit sur le site de Bugey. On attend la réponse de l'État, parce que c'est l'État qui va choisir d'ici l'été. Et donc, voilà. Et puis, pour compléter sur les chiffres, comme ça, vous aurez l'ensemble du panel. La région Auvergne-Rhône-Alpes, première région nucléaire de France, première région productrice de France, 14 réacteurs sur la région, 4 centrales nucléaires. Rien que pour EDF, ça fait, c'est 26 000 emplois, si j'en compte les 10 000 emplois directs, 8 000 emplois indirects, 8 000 emplois induits. Et l'ensemble de la filière, en emplois directs et indirects, nous sommes à 49 500 sur les 220 000. Voilà. Donc ça donne la dimension de ce qui nous attend. Et dernier chiffre pardon, qui peut être aussi intéressant, c'est pour le projet de PR2 de Penly. Vous avez la région Normandie qui travaille main dans la main, peu importe les bords politiques, les centres de formation, l'État, tout le monde est d'accord pour avoir les EPR sur le territoire. Avec l'ensemble de cette mobilisation, nous couvrirons que 25% des besoins du projet EPR2 de Normandie. Ça veut dire que 75% des ressources deviendront du national. Aura également sa part à apporter ça dans le cadre aussi de ces futurs projets. Alors vous venez d'évoquer un certain nombre des projets. On a parlé de SMR. Julie, je me tourne vers vous. Donc on évoquait en introduction que vous êtes le DRH de cette nouvelle filiale New World. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette filiale et puis les perspectives, vous, en termes d'emploi, en termes de type de compétences que vous serez amené à intégrer dans les années à venir ? Oui, tout à fait. Donc la filiale New World a été créée le mois dernier. Donc c'est une filiale à 100% du groupe EDF, et donc c'est une filiale qui développe un produit. Donc auparavant, c'était une direction de projet intégrée au groupe EDF et à la direction de l'ingénierie et du nouveau nucléaire. Et donc du coup, cette filiale, elle développe un produit de centrale SMR. Donc c'est une centrale avec deux réacteurs chacun de 170 MW électriques. Donc ça fait une centrale de 340 MW électriques, qui est à peu près l'équivalence d'une centrale charbon. Donc la spécificité de la filiale, c'est qu'en fait on développe le produit, et donc du coup on est amené du coup à travailler sur de l'export. Donc aujourd'hui nos projets, c'est une centrale de référence qui sera exploité par EDF, du coup en France, avec un premier béton en 2030, mais on est plutôt sur des enjeux à l'export et sur des enjeux européens. Aujourd'hui, notre objectif, c'est un objectif produit et supply chain qui soit 100% européen. Donc on croit vraiment à la filière nucléaire européenne, en tout cas pour notre projet, qui va avoir besoin d'être du coup licencié, pas uniquement par l'autorité de sûreté française, mais par d'autres autorités de sûreté. Donc ça, c'est pour la filiale. Donc c'est une centrale basée comme nos centrales aujourd'hui. Hein. C'est une technologie Gen 3 à eau pressurisée. Donc c'est une technologie à 90% éprouvée. Par contre, on a du coup 10% d'innovation qui sont le cœur du coup du projet et le cœur de nos challenges techniques. Donc, ce que je peux donner moi en vision, donc ça sera forcément une vision moins globale qu'ont pu donner mes partenaires, mais en tout cas, on est au cœur vraiment tous les jours de cet enjeu de recrutement. On est dans un projet qui vient de changer de phase de design, qui s'accélère et qui va avoir besoin, si on globalise les besoins de la filiale et les besoins de nos partenaires, à 600 équivalents temps plein d'ici l'année prochaine. Et donc, pour la filiale, ça va représenter 20 à 30 recrutements par an. On peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même déjà pas mal à l'échelle d'un projet, et c'est encore plus à l'échelle de l'ingénierie. Donc nous, les compétences qu'on va chercher, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça va être des compétences d'ingénierie, plutôt des compétences de personnes expérimentées,
qui va du coup falloir qu'on a cherché ben, typiquement dans les autres filières, parce que c'est très juste, quand on parle d'ingénierie système, ça marche très bien dans d'autres filières que dans le filière nucléaire. Donc on a un vrai enjeu justement d'attractivité et d'aller sourcer dans les autres filiales et également sourcer à l'international. Et aussi beaucoup de besoins en termes de gestion de projet, en fait, de chefferie de projet. Donc, on a beaucoup d'emplois à pourvoir comme cela. Et la relance du nouveau nucléaire, hein, elle fait apparaître du coup des nouveaux besoins en compétences. Hein, on l'a vu et on travaille beaucoup avec les équipes EPR2. Et c'est un vrai enjeu parce que si la France veut tenir ses ambitions de transition énergétique, de décarbonation du mix énergétique, on a vraiment besoin de ces compétences. Et donc, vous l'avez peut-être précisé rapidement, le siège est à Lyon, enfin, en tout cas, la plupart des équipes sont aujourd'hui à Lyon, oui, avec alors, trois autres sites en France. Voilà, exactement. Donc, du coup, la filiale a pour objectif l'année prochaine d'être un peu moins de 200 personnes environ, avec du coup les trois quarts basés sur Lyon. Et puis après, le reste de l'équipe va être au plus près de nos ingénieries, parce que c'est un projet qui est leadé par EDF, mais qui est co-développé avec la propriété intellectuelle commune, avec nos partenaires que sont Technicatome, qui travaille aujourd'hui sur la chaudière, du coup Framatome aussi aujourd'hui, Naval Group, le CEA, qui du coup mettent au service du projet des ressources. Et qui, eux, ne sont pas forcément basés à Lyon. Donc, du coup, on a des gens au plus près de nos ingénieries. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on va reprendre un peu de hauteur globalement sur tous les éléments qu'on a évoqués. On parlait des besoins qui sont quand même assez astronomiques, hein, quand on somme tous ces nombres d'emplois créés ou à pourvoir au sens large avec les départs naturels et puis les nouveaux projets. Vous avez fait référence au sujet de l'attractivité, de parfois la méconnaissance aussi des différentes populations. Je serais intéressé parce que vous nous en disiez plus à la fois sur aujourd'hui le constat, quels sont les ressentis finalement vis-à-vis des candidats potentiels, et puis des mesures surtout qui sont mises en place pour essayer voilà, de valoriser ces emplois, de montrer en quoi ils s'inscrivent dans cette transition à la fois industrielle et écologique et énergétique qu'on vit. Donc voilà, je serais intéressé pour... je sais qu'il y a de multiples entreprises et initiatives qui sont déjà prises, donc peut-être Jean-François pour commencer, puis ça permettra peut-être aussi de présenter Nuclear Valley puisque vous êtes aussi actif sur ces sujets. Alors, au niveau des initiatives que mène la filière, effectivement, la filière va présenter un plan Marshall de compétences et formations, donc début juin au ministère, qui comprend 30 actions réparties sur cet axe. Le premier axe étant l'attractivité. Donc, c'est le sujet majeur. Hein. C'est au-delà de l'attractivité de la filière nucléaire, je crois que c'est l'attractivité de l'industrie tout court. On a validé la semaine dernière les résultats de l'EDEC filière, donc qui a été porté par le GIFEN, qui montre qu'en fait la filière ne fait pas tant face à un problème d'organisme de formation, puisqu'on voit aujourd'hui dans tous les principaux bassins d'emploi qui nous intéressent qu'on a les organismes de formation présents. Alors évidemment certains, il faudra qu'ils montent en compétences, qu'on modernise ou qu'on amène des modules nucléaires dans certaines formations eu égard aux métiers en tension que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est pas tant un problème de formation. C'est un problème, je dirais, de vivier de compétences en amont. C'est attirer les jeunes, attirer les personnes en recherche d'emploi, attirer les personnes qui vont être en reconversion. Je pense qu'on va commencer à mener des travaux avec la filière automobile, par exemple, dont on sait où sur certains bassins, on va avoir des baisses d'activité dans certaines entreprises qui ont des gens compétents, un outil de production qui n'est pas très loin, finalement, des capacités dont on va avoir besoin. Donc, il va falloir discuter avec beaucoup de filières. Et puis, je dirais, effectivement, aller reconquérir les jeunes, les personnes en recherche d'emploi, pour leur montrer que l'industrie, c'est quelque chose de noble, qu'il y a un avenir, qu'on fait plein de choses super intéressantes, qu'on peut passer d'un job à l'autre, qu'on peut faire carrière, comme on peut quitter l'entreprise au bout de quelques mois. Enfin, voilà, tout est possible. Et ce champ des possibles, c'est à nous, industriels, d'aller le présenter, à nous, organismes publics, d'aller le présenter vers la jeune génération, pour leur montrer que travailler dans l'industrie, c'est chouette, c'est bien. Et au niveau donc de Nuclear Valley, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots sur à la fois le rappeler ce qu'est Nuclear Valley. Et oui, puis... alors c'est un pôle de compétitivité. Nous sommes 54. On a trois missions principales. La première mission, c'est effectivement toute animation autour de l'innovation. Donc, c'est aider les entreprises à innover et puis les aider à accélérer cette innovation via la subvention publique. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est animation économique. Donc, c'est aider les entreprises à faire du chiffre d'affaires en les connectant entre elles et en les amenant à l'international. Et puis, troisième. Comment dirais-je, axe, c'est l'axe formation-emploi. Justement, on est tous rattachés à des filières industrielles
Et donc, c'est aider nos filières encore sur les enjeux d'attractivité, aller à la rencontre des jeunes publics pour faire des présentations, aller dans les amphithéâtres, aller dans les collèges, dans les lycées. Donc, c'est autant d'actions qu'on mène, donc, soit en propre, soit via les associations partenaires, comme c'est le cas, par exemple, de Vivatome, ici, en Auvergne-en-Alpes. Voilà. Excellente transition, justement. J'allais me retourner vers Thomas pour en dire un peu plus. Alors, on a mentionné rapidement l'Université des métiers du nucléaire et Vivatome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces initiatives, sur la manière dont ça va se tangibiliser aussi en termes d'activité, d'action? Oui, alors Isabelle et Jean-François pour compléter mes dires. Donc, suite à la relance de la filière, on va dire qu'il y a eu un consortium d'industriels et pas que d'organismes nationaux qui ont dit on va faire le plan Marshall, comme l'a très bien dit Jean-François, et donc se sont regroupés pour créer l'Université des métiers du nucléaire, dont Pôle emploi et Nucléaire Falaise d'ailleurs font partie au niveau national. Derrière cette décision, il a été demandé à l'ensemble des régions de décliner l'Université des métiers du nucléaire dans chaque région pour faire un bras armé. Ici, on a décidé de créer une association qui s'appelle Vivatome, association type 1901, et qui rassemble 11 membres fondateurs. Donc, vous allez retrouver de la formation, donc avec l'éducation nationale, l'enseignement catholique de Lyon, de l'Académie de Lyon, l'IRUP, qui est une école d'alternance côté Saint-Étienne. On va retrouver également le CFA des métiers d'EDF, l'UIMM, qui est le syndicat de la métallurgie, pour deux raisons, dont une qui est son centre de formation avec, pareil, son centre de formation par alternance. Des industriels, avec des grands donneurs d'ordre comme EDF, Framatome, Orano. Mais aussi, on a voulu représenter la filière, donc l'IFAR, qui est une association de prestataires du nucléaire, Nucléaire Valais, aussi à deux titres, mais aussi parce qu'avec les adhérents et par leur positionnement pour la filière, et l'UMM, qui a aussi un gros réseau d'industriels qui travaillent pour la filière, ce qui fait à peu près 90-95% des ensembles des entreprises qui travaillent pour la filière. Et enfin, nous allons retrouver des structures comme Pôle emploi qui nous accompagnent. Est-ce que je les ai tous dit, si j'ai un doute? Le rectorat, j'ai dit. Non, je pense qu'on était... Je ne les ai pas comptés, mais je crois que c'était 11. Du coup, voilà. Donc, l'objectif étant d'être complémentaire, hein, ça a été l'origine, et d'axer sur des différentes actions communes, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est pour travailler l'attractivité... il faut voir qu'il faut toucher différents acteurs, et les stratégies sont différentes. Vous n'allez pas toucher un élève de la même manière que vous allez toucher les parents. Il y a tout ce qui est les directions de formation, c'est-à-dire que le rectorat, les proviseurs, il faut être capable d'aller leur dire certaines formations ne correspondent pas vraiment aux besoins et qu'il y a des choses à revoir, l'entendre. Derrière, il faut aussi toucher les professeurs. Traditionnellement, les professeurs ne sont pas forcément pour le nucléaire. Donc, il y a aussi une approche à avoir pour expliquer les enjeux de la filière. Tout à l'heure, je discutais avec Julie, elle disait quelque chose d'important. C'est une filière dans laquelle on retrouve beaucoup de jeunes qui viennent parce qu'il y a un sens vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis du cœur d'activité. Donc ça, il y a à parler, et donc travailler cette stratégie de communication, d'attractivité. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a fait une cartographie de l'ensemble des formations pour la région. Il n'y a pas à développer, c'est-à-dire qu'elle est complète. Il y a des adaptations à faire de manière ponctuelle. On va supprimer aussi, par contre, des diplômes. On ne va pas en recréer parce que c'est très complexe, notamment côté éducation nationale, mais on est capable de faire des mentions complémentaires, qui est un peu une astuce pour gagner sur le temps. Par contre, ce qui est très important, c'est de faire une expression de besoin des industriels. Je discute pas mal avec des industriels et le monde académique, et je me rends compte que c'est deux mondes qui ne discutent pas entre eux. Donc il y a un travail à faire d'expression de besoin, de mise en relation, parce que le monde académique a besoin d'offres de stage, d'ouvrir les portes pour les jeunes, et d'accompagner également certains professeurs, le développement de professeurs de compétences pour former les gens. Donc il y a vraiment une mise en communication de ces deux mondes, et ça fait des actions qui sont menées par Vivatome, sachant que ce que l'on va rechercher comme profil, ça va du CEP au Bac plus 5. Donc c'est un large scope. Et concrètement, ça se joue, donc vous le disiez, dès le plus jeune âge. En fait, c'est à partir de quel moment qu'on peut mettre en place des actions, sous quel type de... Sur les actions, on commence au collège, parce que les collégiens de demain sont les futurs
les futures personnes qui travailleront dans notre industrie à un avenir quand même très proche. Quand on est au collège, ça va très vite, surtout si on va sur un bac pro. Mais ça va aussi sur le lycée, ce qu'on disait un petit peu Jean-François, et les écoles d'ingénieurs. Mais il y a des différentes manières. On va aller faire des conférences sur les écoles d'ingénieurs, on va aller faire des portes ouvertes au collège et au lycée. On va aussi recevoir sur les sites industriels les professeurs et le monde académique pour leur présenter nos métiers. Voilà. C'est toutes ces actions-là qui sont menées aujourd'hui. Julie, vous vouliez compléter peut-être ? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure sur l'enjeu attractivité. Je pense qu'il faut vraiment aussi miser sur les valeurs de la filière. Aujourd'hui, il y a une quête de sens, il y a une quête que notre job ait un impact. Et ils ont envie, moi je les vois tous les jours, les candidats, ils ont vraiment à cœur de mettre leur pierre à l'édifice et du coup d'être acteur de la décarbonation du mix énergétique. Et donc je pense que la filière a vraiment tout pour arriver à attirer des candidats et attirer aussi d'autres filières. Et on a vraiment un rôle à jouer parce que c'est clairement ça, hein, les collégiens, même au primaire, c'est nos soudeurs de demain, c'est nos concepteurs de demain et voilà, c'est dès l'école qu'il faut montrer peut-être le nucléaire autrement. Peut-être niveau Pôle emploi aussi, je pense que vous avez largement votre part à prendre dans ce dispositif. Oui, bien sûr. Alors, on a, au mois de mars, on a lancé avec nos partenaires, avec l'université en coordination avec l'Université des métiers du nucléaire, on a lancé une belle semaine qu'on appelle la semaine des métiers du nucléaire, mais c'était un tremplin aussi pour organiser et faire connaître la filière. Il y avait en France plus de 200 événements donc, sur l'attractivité, la découverte des métiers, des visites d'organismes de formation, voilà, les processus, et puis aussi des actions de recrutement. Il y a eu deux belles actions de recrutement qui ont eu lieu, deux énormes forums qui ont eu lieu. Rappelez-moi du coup. Oui, voilà, du 5 au 10 mars. Donc, alors, c'est un événement dans une semaine, mais ça a lancé beaucoup d'autres actions, voilà, et emblématiques. Et on a vraiment donné une belle affiche nationale avec des relais au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux qui ont fait parler de la filiale nucléaire. C'est la première et ça ne sera pas la dernière. Et puis, on espère aussi des temps intermédiaires. Mais c'est vrai que l'attractivité, c'est... alors sur tous les métiers, mais en particulier sur la filière nucléaire et puis sur la filière des énergies renouvelables, mais c'est ce dont des métiers, des univers qui sont vraiment à faire découvrir parce que on va pas se le cacher, mais c'est aussi une filière qui a un petit peu peiné, c'est dont on a peu parlé. Et quand on parlait de la filière nucléaire, il y a beaucoup d'idées reçues, voilà, à lever. Donc on a beaucoup de choses à faire, de messages à faire passer, et on travaille, voilà, avec l'ensemble de nos partenaires sur ce sujet. Et on parlait donc de la dimension géographique, parce que certes, il y aura le mouvement naturel de l'entrée sur le marché du travail des jeunes actuellement en études qui vont demain être les acteurs, mais il y a également donc des reconversions, des accompagnements, à la fois de métiers d'aujourd'hui vers des métiers de demain, et puis entre régions. On évoquait le fait que la région Normandie, l'Ouest, la région Rhône-Alpes-Auvergne aujourd'hui sont quasiment dans des situations de plein emploi, ou en tout cas avec des taux de chômage extrêmement faibles, ce qui rajoute le challenge de l'attractivité également potentiellement entre régions. Donc est-ce que peut-être là-dessus vous pouvez nous en dire un peu plus ? Juste un chiffre, on est à 7,3% de taux de chômage en France, 6,3% en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des bassins d'emploi qui sont à 4% en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vraiment une tension sur le marché qui est énorme. On parle quasiment de plein emploi, hein, donc autant de difficultés qui s'ajoutent à nous. Et juste un petit, pour vous donner quelques éléments aussi, parce qu'on l'oublie toujours, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits aujourd'hui sont des demandeurs d'emploi qui sont souvent très éloignés de l'emploi. Je vais vous donner quelques chiffres parce que je pense que c'est intéressant que vous, voilà, qu'on en prenne aussi connaissance. 28% des demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans, donc aussi aller chercher les seniors. Aussi une population près de 10% qui ont une bénéficiaire d'une obligation d'emploi, donc aussi c'est les demandeurs d'emploi qui ont un handicap. 25% n'ont pas de permis de conduire, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et presque un demandeur sur le 2 n'a pas le bac non plus. Donc voilà, c'est des données qui sont toujours importantes. Il faut aller chercher loin
loin les publics et parfois donc le mouton à cinq pattes n'existe pas et je le rappelle souvent, mais voilà, je le dis encore aujourd'hui. Juste un exemple par rapport à des initiatives que Pôle emploi porte et qui sont très intéressantes. J'avais échangé avec Pôle emploi en Normandie par rapport aux personnes qui n'ont pas le diplôme du bac, par exemple. On a des industriels aujourd'hui, on a développé des critères, j'allais dire, de logique, d'approche avec Pôle emploi pour rencontrer des personnes. Et en fait, ces tests-là permettent de savoir s'ils sont capables de suivre la formation que l'on va donner par la suite. Faut quand même savoir, moi, à titre personnel, j'ai quitté mon école d'ingénieur. J'étais tout content de finir mes études et en fait, on m'a remis 2 ans à l'école. Ça, c'est vrai pour tous les travailleurs du nucléaire. C'est-à-dire qu'on est une des populations actives les plus qualifiées de France parce qu'on investit énormément sur la formation. Et en fait, on se rend compte que le fait d'aller chercher des gens, on se rend compte, même un boulanger qui était, parce qu'il y a eu un exemple, un boulanger qui a voulu se reconvertir, qui a réussi les tests logiques, qui a été embauché, a été formé et aujourd'hui est très compétent dans son secteur d'activité en lien avec le nucléaire. Donc ça a été vraiment porté par la Normandie, ça a tendance à être déployé un peu plus sur le territoire national, porté par Pôle emploi. Et justement, donc on parle de chantiers à venir, en particulier les EPR2 que vous avez mentionnés à plusieurs reprises. Ça pourrait être vrai également, vous avez parlé de l'hydrogène, qu'avec des grands projets dans les ports de France, dans la mise en place d'hydrolyseurs, etc., les ENR aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour finalement favoriser l'attractivité plus géographique, là, pas forcément sur les métiers. On parle de zones géographiques sur lesquelles il n'y a pas forcément d'évidence. On parle de Penly tout à l'heure, on parlait de Bugey ou autre. Quelles sont les mesures aujourd'hui, soit à l'étude, soit déjà en place, qui peuvent favoriser le fait qu'il y ait des mobilités de populations qui sont peut-être dans des régions qui sont moins dans une situation de plein emploi, peut-être dans l'est de la France, dans les Hauts-de-France ou autres, vers ces régions? Est-ce qu'au niveau d'EDF, est-ce qu'au niveau de Nuclear Valley, il y a des réflexions ou déjà des mesures mises en place sur ces sujets? Au niveau de la filière, je dirais ce sont les entreprises qui vont, au gré des chantiers qu'elles auront, s'occuperont des transferts. Donc oui, il y a des réflexions sur les packages de mobilité, sur tous ces enjeux-là. Mais on s'aperçoit surtout, quand on fait une cartographie fine, que les gens ont du mal à se déplacer. On raisonne, donc d'où l'approche par bassin d'emploi, c'est-à-dire dans un rayon de 30 km autour du site ou de l'usine. Donc c'est comment attirer, en fait, non pas une personne, mais des familles dans des territoires. Donc ça passe par l'arrêt de la fermeture d'un certain nombre de services publics. On en discutait avec des élus il y a 15 jours. Comment attirer des jeunes couples dans une ville lorsqu'on ferme la maternité, par exemple? C'est aussi bête que ça. Mais c'est vraiment une approche. On veut relocaliser de l'activité industrielle en France. On veut réindustrialiser nos territoires. Ça passera forcément par aussi une réaffirmation de la non-fermeture de services publics associés. On discute avec certains conseils régionaux pour la mise en place de sites pour favoriser les déplacements, pour trouver de l'emploi pour la personne, le conjoint ou la conjointe, faciliter l'accès aux écoles, aux enfants, pour les familles qui se déplaceraient d'une région à l'autre. Donc c'est autant de discussions, je dirais, autant d'efforts collectifs qu'on va devoir. Ça va bien au-delà de l'entreprise en tant que telle qui offre. Bien au-delà. Il y a des enjeux territoriaux, il y a des enjeux de services publics. C'est vraiment une approche globale à repenser pour réussir les challenges qui sont les nôtres. Les pouvoirs publics commencent vraiment à le comprendre. C'est aussi un message que je voulais faire passer. Alors, c'est pas simple, parce que tout ceci nécessite énormément d'investissements, réallocation de moyens. Mais il y a un certain nombre, je dirais, de mesures qui vont être prises. C'est une condition sine qua non par rapport à... Voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de leviers qui doivent être... Enfin, il y a un certain nombre de planètes qui doivent être alignées pour qu'on puisse réussir les challenges qui sont les nôtres. Voilà. Je pense qu'il faut décorréler trois phases de projet. Il y a la partie ingénierie, on en parlait, où là, on va retrouver un peu plus on va rechercher des compétences plus dans les grandes villes. Lyon-Paris, Lyon va quasiment devenir le premier centre d'ingénierie nucléaire de France. Il y a beaucoup de choses qui déménagent de Paris sur Lyon. Donc une forte demande de profils d'ingénieurs, et je parle pour la filière, je ne parle pas que pour le groupe EDF.
Donc là où, à la limite, l'avantage d'une grande ville ou d'une grande métropole, c'est justement c'est un peu plus attractif pour plein de raisons, pour la carrière du conjoint, on en avait parlé, par rapport au permis, ce qu'on disait un petit peu, la facilité de vie, les enfants, ben bref. Donc ça, voilà, il y a ce premier point. Il y a la deuxième phase, il y a la phase de construction. Il faut savoir que sur une paire de PR2, sur la grosse dizaine d'années que va durer le chantier, c'est autour de 27 000 personnes qui vont être mobilisées sur le chantier. Ces personnes-là, elles vont être mobilisées pas sur une semaine ou 15 jours, ça va aller de 1 an à 2 ans à 5 ans, voire un peu plus. À partir du moment où vous venez pour 5 ans, beaucoup viendront avec leur famille. Donc là, on est aussi sur une autre approche, ça veut dire aussi avec les communautés de communes. Ça veut dire travailler avec les territoires. Et là, il y a un gros travail d'accompagnement des territoires pour ça. C'est une question qui fait peur. Il ne faut pas se voiler la face aussi, parce que les territoires sont challengés sur l'artificialisation des sols, sur les écoles, sur tout ce que l'on peut... On voit le chantier, mais on ne voit pas forcément tout ce qu'il va y avoir autour. Donc il y a un gros travail de réflexion dessus. Et je dirais la troisième partie... Pareil, on en avait un peu discuté avec Julie et je laisserai compléter, je ferai la transition pour donner aussi la parole, mais c'est sur la partie exploitation. C'est-à-dire que là, on va arriver sur des gens qui vont construire, mais à partir du moment où vous êtes exploitant, vous vivez là, parce que vous travaillez là, et là, on est sur une échelle de temps qui est beaucoup plus sur du moyen-long terme. Et donc, c'est encore une autre approche entre toutes ces phases. Julie, des compléments sur ce point ? Oui, alors c'est vrai que c'est très juste sur les différentes phases et où du coup il faut vraiment voir sur un projet, sur son entièreté, mais aussi travailler dès maintenant. Il ne faut pas se dire, ben là on est sur le chantier, on ne pense pas aujourd'hui à l'exploitation. C'est dès maintenant en fait qu'il faut travailler toutes les phases. Donc, alors en termes de ratio, hein, pour exploiter une centrale SMR, ça va être le même ratio que pour un EPR quand on rapporte à la puissance. Pour exploiter un SMR, c'est environ 200 salariés qu'on va avoir besoin pour exploiter un SMR, mais qui, en tout cas aujourd'hui, hein, si on part sur le territoire français, va être implanté sur un site de production. Donc ça fait des personnes en plus qu'il va falloir aller chercher. Et du coup, ben, typiquement, sur... très souvent, alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on a moins ces problématiques-là, mais quand on est sur d'autres territoires, on a de vraies problématiques d'attractivité du territoire. Oui. Peut-être pour vous donner l'ampleur des choses, la filière nucléaire, donc on parlait d'ingénierie, enfin, Thomas parlait d'ingénierie, rendez-vous compte que dans les 8 années qui viennent, l'ingénierie nucléaire, ne serait-ce qu'à Lyon, sera capable d'absorber l'ensemble des ingénieurs qui sortiront des écoles lyonnaises et Grenoblast pour les 2 ans qui viennent. Donc évidemment, on ne le fera pas. Mais les besoins uniquement en ingénieurs feraient que nous serions capables d'absorber tous les ingénieurs qui sortent des écoles lyonnaises et Grenoblast pour les 2 ans qui viennent. C'est considérable. Ouais, c'est un ratio qui est intéressant. C'est pour vous donner des ordres de grandeur, hein, de ce qui nous attend. On n'arrive pas très loin de la fin de cette table ronde et j'aimerais bien, si on a quelques minutes, pour prendre peut-être quelques questions des participants. J'aimerais bien faire un dernier tour de table avec vous parce que c'est vrai que c'est un peu un vertige là, ce qu'on voit devant nous. Alors, on ne va pas s'en plaindre hein, parce que c'est quand même ce qu'on aime entendre pour l'économie et pour les perspectives en France pour les années à venir. Donc à la fois, vous avez mis en exergue le fait qu'il y a quand même des besoins très très importants qui sont à venir, voire certains pour dès aujourd'hui. D'ailleurs, si certains sont candidats, je pense que vous pourrez vous tourner à la fin de la conférence vers nos intervenants. Et également des solutions, des plans d'action, etc., etc. J'aimerais voir votre niveau de confiance par rapport à ça, en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a pris l'ampleur de ce qui nous attend, ou est-ce que, voilà, on parlait de plan Marshall, est-ce qu'aujourd'hui les planètes sont alignées, est-ce que l'ensemble des acteurs ont pris conscience, ou est-ce qu'il y a encore besoin de déclic, et est-ce que finalement on va passer cette bosse là qui arrive devant nous, Madame Liétard? Moi, je pense que j'ai confiance parce que je pense que les entreprises, les industriels, enfin tous ceux qui sont à la recherche de candidats ont bien compris l'enjeu aujourd'hui d'ouvrir les chakras en termes de compétences, qu'on est dans une situation complètement inverse. Donc aujourd'hui, c'est le candidat, le demandeur d'emploi qui choisit son entreprise. Donc il faut s'adapter.
Et ça, ça vaut pour tous les secteurs d'activité. Donc, il faut casser. Nous, on parle de casser les codes. Aujourd'hui, les façons de recruter ne sont plus les mêmes. Un candidat, il veut choisir si c'est un CDD ou un CDI. Il veut choisir s'il va travailler. Il veut 2 mois de vacances. Voilà. Et ça, c'est des ouvertures que les entreprises doivent donner. Et je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, sur la filière, je pense que d'ailleurs, ils vont en témoigner. Ils ont bien compris que c'était la seule solution. Et ceux qui n'y vont pas auront des difficultés. On travaille, pour vous donner juste un exemple, aujourd'hui, on travaille avec le comité des JO, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup JO. Ben oui, mais on recrute avec le sport. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait une opération avec le sport et la Fédération d'athlétisme pour recruter dans le nucléaire. Donc, pour vous dire, on a enlevé les tables, on a enfilé le short, l'employeur, il a enfilé le short, et on a, comme ça, on a cassé les codes, et plus personne ne savait qui était qui. Mais simplement, il y a des personnes qui n'auraient jamais été dans un entretien de recrutement parce qu'ils ont peur, et ils y sont allés, et ils ont été recrutés. Donc, j'ai confiance, parce que je pense que les industriels ont mis peut-être un... Certains n'y sont toujours pas, mais il y en a beaucoup qui y sont, et je pense dans la filière nucléaire et la filière des énergies renouvelables, c'est bien compris. Donc voilà, de mon côté, pour Pôle emploi, voilà. Nous, on a confiance. Très bien. Julie. Alors, je pense aussi que c'est un challenge très significatif, mais comme on l'a dit, on met tout aujourd'hui en note de bataille par les leviers dont on a du coup parlé tout à l'heure pour rassembler toutes les cartes pour réussir. Nous, côté SMR, on a aussi un autre enjeu d'aller élargir notre sourcing et on pense vraiment européen. Donc c'est aussi, nous, une autre carte qu'on a dans notre manche, d'aller élargir les coopérations avec des coopérations avec d'autres pays. Et c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Et c'est aussi un autre levier d'action pour notre projet qui a cette dimension-là. Effectivement, ne pas penser que franco-français et un peu plus loin aussi. Thomas ? Alors moi, je suis de nature optimiste. Et je pense que ça ne sert à rien de rester à pleurer dans son coin. Donc... Ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus voiler la face, ça va être compliqué. Alors, ça serait faux de dire le contraire. Par contre, ce qui me rend réellement confiant, c'est la prise de conscience globale autour de ce sujet-là. Même encore plus loin, alors, pour plein de raisons, parce qu'on parlait de sens tout à l'heure, mais déjà on a du sens à travailler dans l'industrie aujourd'hui en France. Il y a une volonté de réindustrialiser, il y a une volonté de lutter contre le changement climatique, il y a une volonté de retrouver une souveraineté nationale sur certains nombres de sujets, et ça je pense que ça donne confiance aux industriels qui veulent y aller. Ça donne confiance aussi... et ça fait prendre conscience au monde académique. Les élèves ne nous approchent plus de la même manière. Il y a eu un changement de regard. Alors là, je parle pour le nucléaire, mais on est quand même passé de 10-15 ans de nucléaire honteux à, faut voir le changement radical de vision sur le nucléaire en un an et demi. Et vu les relations que j'ai aujourd'hui sur un acteur qui clé et qui était traditionnellement pas forcément l'allié de l'industrie nucléaire, qu'est l'éducation nationale, ça me donne confiance parce que c'est eux qui maintenant toquent à la porte en disant comment on peut vous aider. Donc je me dis, au final, on a quand même pas mal d'ingrédients qui nous permettent de voir l'avenir un peu plus en confiance. La plus grosse difficulté, ce sera l'attractivité, mais ça va être surtout de se dire qu'on est dans une période de réindustrialisation ou de volonté de réindustrialisation avec énormément de secteurs d'activité indépendants du nucléaire qui recrutent également, qui font s'y briller les yeux. On peut parler de l'industrie du luxe, on peut parler de l'aéronautique. L'automobile, on se dit que dans les années à venir, elle est plutôt en décroissance. On estime à 30% d'effectifs en moins avec l'électrification des véhicules. Se dire peut-être qu'il faudra aussi aller chercher ces secteurs d'activité pour les accompagner sur notre industrie. Donc voilà, donc après, j'ai le sourire. Jean-François, pour terminer. Oui, moi je suis très optimiste. On n'a jamais eu autant d'alternants dans nos entreprises. Donc ce qui est un signe qu'effectivement, il y a une transition qui est en train de s'opérer. Les pouvoirs publics et les industriels travaillent de concert. Enfin, moi, pour participer à beaucoup de réunions, que ce soit au niveau régional ou national, il y a une vraie volonté collective d'avancer et d'accélérer. Et donc ça, c'est quand même des signaux forts. Que ce soit les conseils régionaux qui effectivement ont une forte dimension emploi compétences avec les budgets associés ou l'État au travers des différents plans de relance, je citerai notamment France 2030, l'AMI métier d'avenir, compétences et métiers d'avenir, donc il y a beaucoup d'argent qui arrive, donc oui bien sûr qu'on va y arriver, on n'est jamais aussi bon qu'au pied du mur
quand on discute avec nos industriels, certains étaient là, je dirais, lors du lancement du plan Messmer. Donc, c'était notamment, je vais citer l'entreprise REL, où on construisait 2 à 3 sites nucléaires par an. Et donc, on va dire que nos industries, précédents. Ouais, voilà, nos industries sont dimensionnées pour faire ça. Après, il nous faudra les gens. Et là, beaucoup de dispositifs sont lancés. Donc, oui, évidemment, je suis très optimiste. Tout en sachant, comme l'a dit fort justement Thomas, que beaucoup de secteurs industriels recrutent. L'industrie navale, c'est entre 70 et 80 000 personnes dans les ans qui viennent. Le nucléaire, il faut savoir qu'une entreprise sur 2 travaille aussi pour la défense. On voit la nouvelle loi de programmation militaire avec une hausse de 100 milliards d'euros sur la période 2024-2030 de sous-traitance, donc qui vont arriver aussi dans notre tissu industriel. Donc il va y avoir, qui est aussi, par définition, la défense est aussi une industrie souveraine. Donc on va faire appel aux mêmes typologies d'entreprises, aux mêmes typologies de compétences. Donc oui, il y a du boulot. Et tout le monde l'a bien compris et tout le monde se met en posture, en ordre de bataille, pour mener à bien les chantiers qui sont les nôtres. Donc, ouais, je suis optimiste. Très bien. Ben, merci à tous les quatre pour cette note d'optimiste. Quelques questions, peut-être, à l'issue. Bonjour. Alors, c'est pas une question, ça va être une petite remarque. Moi, Isabelle Gerniou, je travaille pour une filiale de Engie Solutions. Et j'avais une petite remarque parce qu'on a les mêmes soucis de recrutement. Mais je vais vous faire une petite remarque. Aujourd'hui, vous avez parlé de nucléaire, vous avez parlé d'énergie renouvelable. Et à aucun moment, j'ai entendu le mot électricité dans votre discours. Or, les métiers qu'on recherche, c'est des métiers liés majoritairement à l'électricité. On a besoin d'ingénieurs. On a parlé de compétences, on a parlé d'ingénierie. On n'a jamais cité le mot électricité. Et aujourd'hui, les ingénieurs vont concevoir des installations électriques. Moi, je travaille dans le haute tension, basse tension. On a besoin d'électriciens sur le terrain. On a besoin d'ingénieurs. Mais aujourd'hui, quand on parle d'énergie non renouvelable, on oublie complètement la partie électricité des métiers. Moi, j'arrive à avoir parfois des ingénieurs en photovoltaïque ou en énergie renouvelable qui n'y connaissent rien en haute tension, basse tension. Ils sont complètement décorrélés du monde de l'électricité. Et le nucléaire, vous faites quand même de l'électricité, enfin, je pense. Énergies renouvelables ont produit de l'électricité. Et donc, au final, il y a toujours quelque part un poste haute tension, des tableaux électriques TGBT, des câbles à tirer. Et on a tendance à ne jamais parler de ces métiers-là. Et c'est beau d'avoir l'ingénierie, mais si on a les personnes sur le terrain pour faire les travaux, c'est un problème. Et aujourd'hui, si vous avez ce discours-là devant des élèves, comment voulez-vous qu'ils identifient que ce sont des métiers de l'énergie, enfin, les métiers de l'électricité? Donc je pense qu'il faut faire attention aussi aux termes qu'on utilise, parce que moi aussi, je vais voir les collèges, les lycées, les BTS, les DUT, les écoles d'ingénieurs, et il faut leur expliquer que le métier de l'électricien, alors on parle d'industriel, hein, je ne parle pas de l'électricien de maison, c'est des métiers où on a besoin de beaucoup de technologie, beaucoup de technicité, et aussi des gens de terrain. Voilà, donc c'était ma petite remarque pour dire n'oubliez pas ceux du terrain, on en a besoin. Et essayer de dire aux élèves dans le collège et lycée que les métiers de l'électricité sont des métiers où il y a énormément de possibilités d'avenir, et quel que soit d'ailleurs que ce soit dans le nucléaire, les énergies renouvelables ou l'électricité standard, mais voilà, il faut penser aussi à la base et pas toujours penser merci. Nucléaire et énergie renouvelable. Merci pour... Ouais, alors, vous avez raison, madame, mais vous avez raison. L'électrotechnicien, c'est un des 20 métiers en tension. Donc, je ne les ai pas tous cités, parce que ça pourrait être une liste. On en a créé 84. Sachant que l'électricité, c'est la finalité de la production d'installations. Aujourd'hui, les métiers en tension, on est sur les métiers de l'industrie lourde. Donc, effectivement, la finalité, c'est de produire, pour nous, en ce qui nous concerne, de l'électricité / nucléaire. Mais les métiers en tension, on est plutôt sur les métiers de l'industrie lourde. Donc, des chaudronniers, des robinettiers. Si on parle de l'ingénierie, des projeteurs, des ingénieurs. Des automaticiens, etc. Et aussi des électrotechniciens, vous avez raison. C'est un des 20 métiers identifiés en tension que nous avons identifiés. Juste pour compléter, parce qu'on ne peut pas parler pendant 3 heures. C'est, comme l'a dit Jean-François, c'est 80 métiers. Une centrale nucléaire, c'est 17 métiers différents. Quand on parle d'un automaticien, d'un chaudronnerie, robinetterie, on en a besoin autant qu'un machine tournante, donc un électrotechnicien.
il faut voir qu'on a une approche aussi en fonction des diplômes des lycées. C'est ce qu'on essayait un peu de dire là tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on fait une cartographie. Quand on fait l'expression de besoin des industriels, c'est aussi en fonction des formations qui sont autour et l'ensemble des diplômes qu'on identifie qui vont répondre à ces besoins-là. Ça en fait partie. On donne aujourd'hui l'Université des métiers du nucléaire à un système qui avec le ministère de l'économie et des finances, de bourses pour une cinquantaine de diplômes de métiers. On travaille avec les lycées, on donne aujourd'hui des bourses de 600 euros par mois pour des jeunes pour aller travailler dans l'industrie. Alors là, c'est nucléaire, hein, vous allez me dire, mais il y a une volonté, je pense, d'ouvrir ça à d'autres filières par la suite sur l'ensemble de ces diplômes-là. On ne peut pas tous les citer. Quand on a fait l'analyse des travaux qui nous attendent pour un EPR2, c'est l'ensemble de la chaîne qui est concernée. Dans un premier temps, ce qu'il va nous falloir, c'est des planificateurs, c'est du BTP, parce qu'on l'oublie, mais tous les métiers du BTP vont être très vite sous tension. C'est de la gestion de projet. En fait, la même manière où j'ai décorrélé les trois cycles tout à l'heure, dans une construction, vous pouvez décorréler également trois sites. La préparation du chantier avec les métiers du BTP, il y en a plein, hein, je les connais, je suis incapable de tous les dire. La partie où on va commencer à installer la chaudière et tout ce qui est l'industrie qui va être sur ce terrain-là. Et la dernière partie qui sera la mise en essai des systèmes pour le donner après les clés à l'exploitation. Donc, il y a une volonté de travailler ces sujets-là. Je représente le groupe EDF. Le groupe EDF, ce n'est pas que le nucléaire. On a aussi Enedis, on a aussi Dalkia, on a aussi l'hydro. Ben, bref, on va en trouver énormément de métiers. On a fait une analyse qui pour moi, est assez intéressante. On a commencé à regarder, en fonction de notre secteur d'activité dans la région, où est-ce qu'on était axé. Sans surprise, le nucléaire va partir, on va dire, de Bugey, qui est sur... la partie haute du Rhône jusqu'à Tricastin en passant par Lyon. C'est toute la vallée du Rhône. L'hydro, ça va être les Alpes, Enedis un peu partout, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, au final, c'est très axé Rhône-Alpes, très peu sur l'Auvergne. Donc là, actuellement, il y a des travaux qui sont en cours de partenariat avec des lycées de Clermont, mais peut-être pas pour les industries du nucléaire, mais pour les industries aussi du groupe que sont Enedis et l'hydro. Il y a aussi des travaux qui sont en cours avec les lycées de Chambéry. Il y a Grenoble qu'on veut aller. Et en fait, l'objectif, c'est de faire une sorte de toile d'araignée pour dire, de toute façon, un seul territoire n'arrivera pas à subventionner tous les besoins et à répondre à tous les besoins de futur du groupe ou des industries, mais qu'il faut bien étaler et faire des partenariats qui soient un peu plus ponctuels. Quoi. Et voilà. Donc, ça, je ne l'avais pas dit, mais ça se coule de source. À conclure, Jean-François, une dernière intervention. Vous avez d'autant plus raison quand... Effectivement, on est très focusé nucléaire parce qu'on on donne un aperçu sur les besoins de la filière, mais si on prend les 3200 entreprises qui travaillent pour notre filière, par exemple, les entreprises qui sont dans la métallurgie, elles recrutent un soudeur. Elles ne recrutent pas un soudeur pour faire du nucléaire. Parce qu'elles sont toutes multisectorielles. Donc après, effectivement, elles amèneront le vernis au travers de la formation. Idem pour un électrotechnicien. Elles amèneront le vernis nucléaire, mais ce soudeur ou cet électrotechnicien, il travaillera sur différents projets au gré des charges et des commandes qu'engrangera l'entreprise. C'est en avant-propos, je disais, il faut qu'on réenchante l'industrie tout court. Et c'était bien l'objet de la démonstration. On réussira collectivement les chantiers, tous, qu'on soit dans la défense, dans les énergies renouvelables, dans l'énergie nucléaire, etc., si on arrive à réattirer les jeunes dans nos industries, dans nos formations dont on a besoin. Après, nos entreprises, elles sont suffisamment grandes pour les former correctement, eu égard aux spécificités, aux certifications, aux habilitations dont ils ont besoin pour travailler sur tel ou tel chantier, pour telle ou telle filière industrielle. Mais je crois que l'enjeu premier, c'est vraiment de réattirer des jeunes dans nos entreprises, jeunes ou personnes en reconversion ou en recherche d'emploi. Voilà. On est pris par le temps et une autre conférence juste après. Avant de vous remercier, si certains ont des points particuliers, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos intervenants. On a peu parlé de la parité et du fait qu'il faudra des hommes et des femmes aussi, bien sûr, oui, pour réaliser tous ces sujets. Et je suis pas peu fier d'avoir cette conférence avec une parfaite parité. Donc merci à tous les quatre. Et puis encore merci pour la richesse de nos échanges aujourd'hui. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci.